Je reviens aujourd'hui sur ma précédente vidéo, voilà, où je vous présentais le haul que j'ai fait avec Amazon, donc pour les feutres et le taille crayon. Donc je reviens aujourd'hui sur le taille crayon. Excusez-moi, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, quand je vous l'ai présenté, bon, ça s'est peut-être pas vu sur la vidéo, mais j'étais un peu chiffonnée. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Je sais pas, j'arrivais pas déjà à ouvrir cette partie là, et à un moment, la manivelle, donc là j'ai coupé la vidéo. J'ai fait une coupure, j'ai eu la manivelle dans la main. Donc, j'ai regardé ce qui s'était passé. Et ce qui se passait, c'est que l'intérieur était cassé. Voilà. Donc, bon, ça peut arriver, hein, un défaut de fabrication. Voilà. Donc, cette partie-là, voilà, je vais l'ouvrir. Vous voyez, elle aurait dû s'ouvrir comme ça. Et vous avez vu sur l'autre vidéo, je ne l'ai pas ouvert. Enfin, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Et sur le coup, j'ai pas cherché. Et puis comme j'avais du, hop là, comme j'avais du mal avec la manivelle, et puis qu'elle me restait dans les mains, après, bon, j'ai pu chercher. Et bon, j'ai continué ma vidéo pour, juste pour vous le présenter. Alors, aujourd'hui... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite fait sur Amazon une demande de retour. Voilà. Donc, ça, c'était vendredi soir. Oui, c'était vendredi soir. J'ai fait la demande de retour. J'ai renvoyé donc ça samedi, donc hier. Et j'ai reçu ce matin, donc, en début d'après-midi, donc aujourd'hui dimanche, voilà, j'ai été livrée d'un nouveau taille crayon. Voilà, vous voyez, ça n'a pas mis longtemps. En 24 heures, j'ai eu un nouveau taille crayon. Là, pour ça, Amazon sont forts. Voilà. Là, on ne peut rien leur reprocher là-dessus. Donc... là maintenant celui-là fonctionne très bien. Fifi, elle va se pousser, merci. Et je vais vous montrer du coup comment on s'en sert et comment il fonctionne vraiment. Parce que bah, du coup, j'ai pas vraiment pu vous le montrer sur la dernière vidéo. Alors, je vous bascule pour que vous voyez. Voilà. Un petit peu, j'espère que ça ira. Donc là, la manivelle, vous avez ici le petit réglage, alors soit pour faire une pointe pointue bien sûr, ou une pointe mais arrondie, voilà, ici, hein, donc tournez cette petite manivelle là, ce petit bouton. Donc, pour vous tailler le crayon, alors je vais en prendre un. Donc, j'ai pris mes Castel Art, justement, parce que ceux-là, c'est ceux que malheureusement, j'ai le plus abîmé avec les autres tailles crayons. Alors, on va en prendre un qui est vraiment bien, bien, bien abîmé. Vous voyez, la mine, elle est vraiment capoute. Voilà. Donc... on ouvre. Là, maintenant, ça fonctionne, donc je peux bien l'ouvrir. Alors, je vous montre le tiroir. Je vais le vider même, vous voyez, parce que j'ai taillé pas mal de crayons, du coup. Vous voyez, c'est vraiment de... comme de la petite chapelure, hein. C'est comme du copeau. Voilà, donc on use vraiment beaucoup moins de crayons. Je vais mettre ça dans mon sommelier. Voilà. Donc,
On va appuyer sur le bouton pour rentrer notre crayon. Voilà. Et donc, moi, il est réglé sur pour avoir une pointe pointue. Moi, c'est ce que je préfère. Voilà. Désolée pour le bruit, hein. Voilà. Là, vous voyez, la manivelle va déjà beaucoup plus mieux. Et voilà ma pointe. Là, il est nickel, mon crayon. Hop. J'ai mis de... Alors, je vais essayer de faire un avec la pointe ronde. Je n'ai pas encore essayé avec la pointe ronde. Alors, attendez. Un qui n'a pas été taillé, peut-être. Voilà. J'en ai encore un qui est cassé, là, que je n'ai pas fait. Donc, je vous montre. Vous voyez. Donc là, on va régler ici. Et on va le tourner du côté de la... Voilà. Bon, on va essayer. J'ai pas fait la pointe ronde. Donc, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas mis à fond, donc ça m'a pas fait vraiment une pointe ronde, mais il m'a fait déjà moins pointu. Voilà. Bon, ben ça fait rien. Je resterai sur un autre, sinon peut-être qui est encore. Parce que j'ai un autre de cassé. J'en avais encore vu un. Celui-là, je remets là. Bon, je vais pas tailler des ceux qui n'ont pas besoin exprès. Je regarde si j'ai encore des... Du coup, j'ai refait mes crayons. Et... Ah, en voilà. Ben, ce sera le dernier. Hein. Ils auront été tous refaits. Donc, je vais régler un peu plus. Voilà. Je pense que là, ça va aller. Voilà, là j'ai réussi. Donc là, vous voyez, j'ai pas une pointe pointue. Alors, avec un que je viens de faire, par exemple, vous voyez la différence. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Eh bien, en fin de compte, du coup. Je l'adore, hein. Malgré le petit problème que j'ai eu avec le premier. Mais bon, ça devait être un défaut de fabrication. Je vous dis, je n'arrivais pas. Du coup, je pensais qu'il ne s'ouvrait pas. Parce qu'il ne pouvait pas s'ouvrir du tout. J'ai eu vraiment tout ce mécanisme-là. Et tout ce qui était à l'intérieur, je l'ai eu dans la main. Bon. Le principal, c'est que Amazon m'en aura envoyé un tout de suite. Je vous dis, en 24 heures, j'ai reçu, donc un dimanche. J'ai reçu le nouveau tech crayon. Et maintenant, je suis contente. Je ne vais plus casser de crayon. Et ça va être super. Alors, attendez, je vous remonte. Voilà. Donc, pour celles qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous remets le lien en barre d'infos pour pouvoir le retrouver. Donc, ça, c'est un DAL 133. Voilà. Il a une petite... Je vous remontre, mais moi, je ne vais pas le mettre, hein, puisque nous, il se balade, le taille crayon. Voilà. Il a un petit crochet, un support de bureau. Voilà. Donc là, vous allez...
mettre ici, vous voyez, vous avez un petit trou. Donc je l'avais déjà dit, mais je le répète. Hein. Hop, alors j'essaie noir sur noir. Voilà. Là, vous avez un petit trou. Donc on met ça et après on serre avec en mettant à travers le bureau, comme pour une lampe ou des choses comme ça. Voilà, et comme ça vous pouvez fixer votre taille de crayon, il ne bouge plus si vous êtes sûr de le laisser à sa place. Mais moi, non, il va bouger puisque nous, quand on fait du coloriage, c'est sur la table de la salle à manger. Donc le taille crayon ne va pas rester sur la table. Donc voilà, donc vous le recevez dans une boîte comme ça, en plastique. Alors, le premier, j'ai reçu dans une boîte en carton. Et ici, aujourd'hui, je l'ai reçu dans une grande enveloppe bulle. Voilà, mais bon, il n'y a pas eu de problème. C'était nickel. Donc voilà. Alors du coup, aujourd'hui, ben, j'ai fait un mini coloriage. J'ai fait une carte, je vais vous la montrer. Et après avoir taillé mes crayons, alors voilà, j'ai fait cette carte. Et donc ça, c'est des tamponnages hein, que j'ai redécoupé moi-même au ciseau après. Et donc les poissons, je les ai coloriés donc avec mes crayons de couleur. Voilà, donc je vous les remonte, mes crayons de couleur à la boîte. Hop. Je la ferme. Donc c'est cela, hein. Chaque fois je vous les montre. Et c'est les Castel Art Supply. Voilà, donc il y en a 120 dedans. Et c'est vraiment nickel. Alors je vais vous remettre le lien de cette boîte. Bon, faites pas attention parce que ce n'est plus le même dessin maintenant. Ils ont changé maintenant, c'est un autre château qu'ils ont mis. Mais c'est toujours les mêmes... Qu'est-ce que je fais encore comme bêtise? C'est pas ça. C'est toujours les mêmes crayons. Mais ils ont fait, j'ai vu ça, une nouvelle présentation. Avec ses crayons de couleur. D'ailleurs, du coup, je suis bête maintenant d'avoir la boîte en fer et pas avoir le nouveau. Mais bon, pardon. Mais peut-être que par la suite, je me les achèterai, puisque vous voyez, moi, j'ai quand même des crayons qui commencent à s'user. Donc là, il y a trois racks. Hein. Je vous les remonte, vous voyez. Voilà, il y a trois racks de crayons. Et donc, cette nouvelle présentation pour ces 120 crayons de couleur, donc il y a toujours 120 crayons, les mêmes, exactement les mêmes. Ils les vendent dans une pochette. La pochette est en gros tissu, hein, quelque chose de très très solide, avec une fermeture éclair. Et il y a des intercalaires dedans avec des élastiques. Et chaque crayon est mis dedans. Donc, c'est une grosse pochette à crayons de couleur. Et donc, il y a les 120 crayons ici de cette marque-là, les Castel Art. Donc, c'est exactement les mêmes. Et elles sont dans cette pochette. Donc, si vous voulez, la pochette, on va dire qu'elle fait la moitié. Ouais, la moitié de la boîte. Et en épaisseur, bon, à vue de nez, ce que j'ai vu sur le site, hein, ça doit faire ça à peu près deux fois la boîte, je pense. Voilà. Mais en longueur, ça fait à peu près la moitié de cette boîte-là. Et j'ai vraiment... Oh, j'ai dit mince. Mais bon, je me le suis mis dans le panier et mis de côté. Et puis, j'ai dit, bon, ben, quand je pourrais, je me prendrai peut-être, parce que j'aime beaucoup ces crayons-là. Je vais... Je vais vous mettre les deux liens avec la boîte en fer, hein, la boîte normale avec les 120 crayons, et je vais vous mettre le lien donc avec cette pochette à fermeture éclair et
avec donc tous les crayons à l'intérieur également. Donc il y a également les 120 crayons de couleur à l'intérieur. Voilà. Bon, si je me l'achète un jour, je la présenterai bien sûr. Mais je verrai. Mais bon, on va sûrement bientôt craquer. Donc voilà, je remonte la carte que j'ai faite aujourd'hui. Donc voilà, avec des petits pois-pois, des poissons. Voilà. Donc les petites bulles des poissons, vous voyez, je les ai faites avec des demi-perles. Voilà. Le petit hippocampe. Et là, donc, c'est des petites algues que là, j'ai découpées. Il est tard, hein, vous savez que je baille hein, quand il est tard. Que j'ai découpées donc, dans du papier mixed media doré. Là, ça, c'est pareil, c'est dans du papier mixed media. Et ça, c'est des grandes feuilles en carton, donc pailletées. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc, je voulais donc vous représenter donc, et cette fois avec les bonnes fonctions, le tacrayon. Et donc maintenant je suis contente, il fonctionne très bien, j'ai plus de problème. Oh, pardon. Donc on va pouvoir colorier à fond. Aujourd'hui, mon mari a essayé ses feutres, hein, lui, et il les trouve super. Voilà. Donc lui, je vous rappelle, c'est la boîte de 100 feutres, et il voit vraiment la différence. Il a dit qu'ils étaient nickel. Donc je pense que je vous ferai une vidéo peut-être dans la semaine s'il fait un coloriage, parce qu'en ce moment, il fait pas son DP. Je suis désolée. Donc Ludovic, si tu passes par là, ben désolée. En ce moment, mon mari est à fond dans le coloriage. Pour l'instant, son DP est un peu sur le côté, mais bon, il va le reprendre. Hein. Je vous ferai certainement une vidéo pendant qu'il fait son coloriage, donc avec ses feutres. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous mets bien tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et là, je vous laisse pour ce soir, parce qu'il est quelle heure? 22 h. Voilà, ça va encore. Et on se retrouve très rapidement donc, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles choses, plein de belles choses encore, de nouvelles aventures. Et moi, je vous dis bonne soirée à tous, parce que mais bon, quand vous verrez la vidéo, je pense que ce sera le matin. Là, je vais faire le montage, mais bon, je la mettrai en ligne que demain matin, je pense. Et puis, ben, c'est tout. Voilà. Allez, je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous.